Passionné d'histoire juive, bonjour. En 1902, tout le monde parle d'un livre de commentaires sur la Torah qui vient de paraître, le Torah Temima, l'un des sfarim les plus populaires de son siècle. J'aimerais aujourd'hui vous parler de ce livre ainsi que de son auteur, le Rav Baruch Epstein. Né en 1860 à Bobruisk, le petit Baruch grandit entouré de ses parents, le Rav Yechiel Michael Halevi, auteur du célèbre Aruch HaShulchan, ainsi que de Michal, la sœur du natif de Vologine. Son père à cette époque est le rabbin de Novorodak. Il faut savoir que la famille est d'ailleurs d'origine séfarade. Leur nom d'origine est Beneviste. Cependant, après l'expulsion espagnole, ils vont être autorisés à s'installer dans la ville allemande d'Epstein et apparemment, par gratitude, ont décidé d'adopter Epstein comme leur propre nom de famille. C'est presque naturellement que Baruch part à l'âge de 13 ans dans la yeshiva de Vologine. Il va y étudier pendant 5 ans où il est considéré comme un yiloui, un génie. Il a une mémoire photographique et tout simplement brillant. Il va recevoir plusieurs smichot, ordination rabbinique, dont celle du natif et du Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik, le Bet Halevi. Mais il refuse d'accepter une position rabbinique. Après son mariage avec la fille du rabbin Elazar Moshe Halevi Horowitz, le rabbin de Pinsk, il va continuer à étudier la Torah et les études juives, mais aussi les sciences générales. Il étudie ensuite à l'Académie de commerce de Vienne et retourne à Pinsk où il va commencer à travailler comme chef comptable dans une banque. Nommé un peu plus tard directeur de la banque, il va occuper ce poste jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et c'est durant cette période qu'il va utiliser son emploi du temps léger de directeur de banque pour rédiger ses livres, dont le célèbre Torah Temima. Ce livre d'interprétation sur la Torah a pour but de montrer l'interrelation entre la loi écrite et la loi orale. Sa méthode est de citer des commentaires et des interprétations de la vaste littérature rabbinique sur chaque verset biblique et ensuite de fournir sa propre analyse de la façon dont les interprétations ont été déduites. Ses commentaires sont stimulants et captivants. Le livre est publié alors que son père est encore en vie et dans sa brève lettre de bénédiction, le Rav Yechiel Michael commente à quel point le titre est approprié. Lorsque la Torah est Temima, quand la loi orale et écrite se révèle être une entité organique, alors elle devient Meshivat Nefesh, elle restaure l'âme. Pendant la Première Guerre mondiale, Pinsk est dans une situation financière désastreuse et le Rav Baruch va être incapable de se concentrer sur ses études talmudiques. Au lieu de cela, il va rédiger ses mémoires Mekor Baruch en 4 grands volumes contenant plus de 2000 pages. Ils sont un portrait franc et fascinant de sa famille et des principales personnalités de la génération précédente. Il voit par exemple les failles fatales de Mendelssohn dans son déni de l'identité nationale juive dans la diaspora. Pour Mendelssohn, les juifs ne sont qu'une religion, alors que leur nationalité est celle du pays dans lequel ils vivent. Ce concept, selon Rav Baruch, a des conséquences désastreuses. Le Rav Baruch va également écrire Tosfot Bracha sur le Chumash et Baruch Sheamar sur les prières. Après la révolution russe, Epstein va se rendre aux États-Unis pour imprimer et distribuer ses livres et ses écrits. Il va y vivre de 1923 à 1926, mais n'ayant pas pu trouver un poste convenable, il retourne à Pinsk. Il meurt pendant la Shoah en 1942 et sa tombe est dans le cimetière de Karlin. Mais il est en quelque sorte toujours présent quand, toutes les semaines, aux quatre coins du monde, le Torah Temima est cité. Je vous souhaite une bonne journée. À demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire.